Bon, chers élèves, on va faire aujourd'hui l'exercice, la correction de l'exercice numéro 44. Alors, déterminer en extension les ensembles suivants. On a A est égal, le couple XY appartient à Z2, tel que X au carré plus XY moins 2y au carré, plus 5 égale à 0. Alors, x au carré, plus xy, moins 2y au carré, plus 5 égale à 0, signifie que x au carré, plus xy, moins 2y au carré, est égal à moins 5. Signifie que x au carré plus 2xy moins xy plus 2y au carré égale à moins 5. Signifie que je vais factoriser par x. X plus 2y. Je vais factoriser ici par y. Facteur de x plus 2y est égal à moins 5. Signifie que x moins y, facteur de x plus 2y, est égal à moins 5. C'est-à-dire que ces deux entiers relatifs sont leur produit va donner moins 5. Le produit de x moins y et x plus 2y est égal à moins 5. Il y a 4 cas possibles. Premier cas, x moins y est égal à moins 5 et x plus 2y est égal à 1. Ça va donner. Si je fais la soustraction, ça va donner 3y est égal à moins 6. Donc y est égal à 2. 3y est égal à 6. Y est égal à 2. Et x est égal à moins 3. Deuxième cas. X moins y est égal à 5. Et x plus y est égal à moins 1. La même chose, la deuxième ligne moins la première ligne, ça va donner 3y est égal à moins 6, y est égal à moins 2, et x est égal à 3. Troisième cas, x moins y est égal à 1, x moins y est égal à moins 1. Et x plus 2y est égal à 5. Ça va donner 3y est égal à 6. Donc y est égal à 2. Et x est égal à 1. Et quatrième cas. X moins y est égal à 1. Et x plus 2y est égal à moins 5. Ça va donner y est égal à moins 2. Et x est égal à moins 1. Donc l'ensemble A, c'est le couple moins 3, 2, le couple 3, moins 2, le couple 1, 2, et le couple moins 1, moins 2. Ça pour l'ensemble A. Maintenant l'ensemble B, qui est égal à l'ensemble des couples xy, appartient à Z2, tel que x au carré, moins y au carré, moins x plus 3y moins 30 égale 0. Alors, x au carré moins y au carré moins x plus 3y moins 30 égale 0 est équivalent à temps. X au carré moins x, ça c'est le début d'un
d'une identité remarquable, il me faut 1 sur 4. Égal, je vais ajouter ici 1 sur 4. Plus, moins y au carré, moins 3y, moins y au carré, moins 3y, plus 9 sur 4, plus 9 sur 4, plus 9 sur 4. Mais avec moins là, c'est moins ici, bien sûr. Moins 30 est équivalent à x moins 1 demi au carré moins y moins 3 demi au carré est égal à 30 moins 2 est égal à 28. C'est équivalent à, ça c'est une identité remarquable. C'est x moins 1 demi moins y plus 3 demi, facteur de x moins 1 demi, plus y moins 3 demi, est égal à 28. C'est équivalent à x moins y plus 1, facteur de x plus y moins 2, est égal à 28. C'est x moins y plus 1, plus 1, facteur de x plus y moins 2. Alors, on a x moins y plus 1, le produit de ces deux, le produit de x moins y plus 1 et x plus y moins 2 est 28. On a 12 cas possibles. Je vais faire quelques-uns. Je ne vais pas faire tous les cas possibles. Premier cas, un cas. X moins Y plus 1, par exemple, est égal à 4. Et X plus Y moins 2 est égal à 7. Ça va me donner x moins y est égal à 3 et x plus y est égal à 9. Ce qui signifie, si je fais l'addition, ça va me donner 2x qui est égal à 2x est égal à 6. Donc x est égal à 2x est égal à 12. Donc x est égal à 6 et y est égal à 3. Un autre cas, par exemple, x moins y plus 1 est égal à 7 et x plus y moins 2 est égal à 4. Ça va me donner x moins y est égal à 6 et x plus y est égal à 6. La somme, c'est 2x est égal à 12, donc x est égal à 6 et y est égal à 0, et etc. Et voilà pour l'exercice numéro 44. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فانكر لمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.